maillon de la chaîne de valeur du groupe de Sonatra. L'émission principale Terna, c'est l'exploration et la recherche des hydrocarbures. Donc, un stress terrible sur le groupe Kamel pour trouver des ressources pour le mettre sur le marché. Donc, on utilise beaucoup d'énergie, mais aussi on participe aussi à la transformation énergétique. Donc, on utilise du gasoil, mais on tend vers l'utilisation de tout ce qui est batterie et ce qu'on appelle panneaux solaires dans au niveau du chantier Terna. Donc là, on est au niveau de cette foire pour voir un petit peu les partenaires qu'on puisse nous aider pour réduire tout ce qui est consommation de gasoil. Parce qu'on consomme beaucoup d'énergie et on a besoin de se transformer pour réduire un petit peu la consommation d'énergie. Voilà, donc en grosso modo, c'est ce que c'est. Donc les projets TENA, on fait des projets un peu partout dans l'Algérie. Donc Wayne Rojo. On participe à la préservation de l'environnement, par l'implantation des arbres, etc., avec les collectivités locales. Donc tout ça, ça fait partie de notre cycle, de notre culture. Voilà. On cherche toujours votre expertise, surtout pour la géothermie. Donc la géothermie, les techniques utilisées dans la géophysique, c'est très important pour les développer en Algérie, pour exploiter la source géothermale en Algérie. Oui. Comme ils connaissent toute l'Algérie, il faudra qu'ils nous aident à identifier les sites propices pour l'installation des centrales, même pour les études de sol. Nous avons, c'est vrai, engagé des études avec d'autres bureaux d'études publiques, mais nous comptons quand même nouer quelque chose avec l'entreprise Énergio qui fait partie du groupe Sonatrach quand même. Merci.